Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Queremos agradecer a los disertantes, especialmente Bruno Nassim Abotra y François Mirés. También queremos agradecer a Claxo por el espacio de esta clase. Esta es una clase abierta que se da en el marco de el diploma en mediación cultural. Un diploma que se llama Mediación Cultural, Comunidad, Artes y Tecnologías, que está trabajando la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo. Es un diploma que se inició en el año 2019 en su primera corte en la Universidad Nacional de las Artes y este año lanza su inscripción a una segunda corte de forma virtual, absolutamente, junto con Claxo. Estamos dando inicio a esta actividad. Agradeciéndoles por su presencia. Hay personas que nos están viendo desde directamente por la plataforma Zoom, pero también hay personas viendo esta clase por YouTube y también por Facebook de las plataformas de Claxo. También le agradecemos especialmente a la Embajada Francesa que apoya esta actividad. Y estaremos, bueno, entonces, invitando ya a sumarse a participar de esta clase abierta. Es una clase que, como bien decía, es una clase que da inicio a este diplomado en mediación cultural que estamos lanzando desde la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo. Quiero volver a recordarles que para poder disfrutar de la clase tienen que seleccionar todas y todos el idioma de preferencia para poder oírla correctamente. Puede ser en español o en francés, porque es una clase que se está traduciendo simultáneamente. Bueno, nuestros invitados de hoy, los profesores Bruno Nassim y François Mirés, han publicado el año pasado, en el año 2018, disculpen, junto con la Universidad Nacional de las Artes, un libro. El libro se llama Mediación Cultural, justamente. Es un libro publicado en español por primera vez por la editorial de la Universidad Nacional. Entonces, también quería contarles esto. Es un libro que Damián del Valle prologó. Damián del Valle se encuentra entre los participantes de esta actividad, junto con Nicolás Arata, que también se encuentra entre los presentadores hoy. Ambos, bueno, Damián del Valle, director del Diplomado en Mediación Cultural por la Universidad Nacional de las Artes y secretario de Desarrollo y Vinculación Institucional por la Universidad Nacional de las Artes, y Nicolás Arata, director de Formación y Producción Editorial de Claxo, hoy van a estar acompañando la presentación de esta clase y vamos a pedirles a ambos que nos den unas palabras de bienvenida. Me gustaría darle la palabra a Nicolás Arata. Para iniciar entonces la clase de hoy. Nicolás, no sé si estás disponible. Bueno, Nicolás entonces. estaba teniendo problemas, tuvo un problema técnico en su casa, así que debe estar con dificultades de internet. Por Bueno, ahí lo que entonces, podemos hacer es esperar un segundo, si quieren puedo avanzar yo, Ro. me parece bien. Te voy a pedir entonces, Damián, si podés darnos unas palabras de bienvenida y bueno, contarnos un poco cómo será esta clase de hoy. Bueno, muchas gracias Rosario. Hola a todos, a todas. Bueno, por ahí digo algo más que unas palabras de bienvenida. Espero no me voy a extender, no se preocupen, pero sí quiero agradecer muy particularmente a Claxo por facilitar esta actividad y por acompañarnos en esta aventura que es el lanzamiento en modalidad virtual de la Diplomatura en Mediación Cultural. Quiero agradecer a la Embajada de Francia en Argentina, que siempre nos está acompañando y apoyando en muchísimas actividades, pero bueno, en esta nuevamente, y por supuesto a los expositores de hoy, les agradezco muchísimo que hayan aceptado tan rápidamente este desafío. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy por los diversos mecanismos que tenemos para comunicarnos en este contexto. Bueno,
Estamos muy contentos de realizar esta actividad, que es en el marco del lanzamiento de una segunda corte de la Diplomatura en Mediación Cultural, que vamos a realizar en conjunto con Claxo y de manera virtual para potenciar a nivel regional e internacional este proyecto. Esta nueva corte actualmente tiene abierta la inscripción y va a comenzar en julio, y nos pareció sumamente interesante la propuesta de Claxo de realizar anticipadamente una primera clase que sea pública, abierta, para pensar la mediación cultural desde nuestro presente y, ¿por qué no?, sobre todo para pensar nuestro futuro. Quiero contar brevemente que uno de los primeros acercamientos a la idea de mediación cultural fue justamente en Francia, donde nos conocimos personalmente con Nacine y con François, en ocasión de un proyecto que veníamos desarrollando desde nuestra universidad con París 3 sobre geopolítica de las artes, justamente con el Departamento de Mediación Cultural. Allí accedimos a su libro, que luego tradujo nuestra editorial, Libros Una. Lo muestro aquí un poquito porque es un libro realmente muy bonito en una edición pocket. Y a partir de ahí comenzamos a preguntarnos qué es o qué puede llegar a ser la mediación cultural para Argentina y nuestra región. ¿No? Existen en nuestras instituciones o espacios culturales un campo cultural, un campo profesional, más bien, o al menos un conjunto de práctica que podamos identificar como de mediación cultural. Conocíamos cómo se pensaba esta práctica en países como Francia o Canadá, pero ¿qué estamos haciendo por estos lados o en nuestra propia universidad que pudiéramos englobar bajo la idea de mediación cultural? Bueno, partimos del supuesto de que son muchas las acciones y proyectos que encajarían con la definición de mediación cultural y que aquí en general las abarcamos bajo conceptos como el de animador cultural o sociocultural o el de promotor cultural, de acuerdo a los enfoques o las épocas en las que nos refiramos, o hasta en la propia idea de extensión o vinculación universitaria. De hecho, creo que una palabra que para nosotros define el sustrato de la mediación cultural es la de vinculación, ¿no? Es decir, pensar la mediación como una forma de tejer vínculos con el otro a partir de las producciones culturales y artísticas, construir vínculos que permitan producir nuevos sentidos o de construir los existentes, ¿no? Algo que hoy aparece casi como una necesidad fundamental si de verdad queremos habitar un futuro diferente al que nos trajo hasta este presente. Bueno, desde estas preguntas y supuestos y en diálogo con la experiencia francesa y de otras latitudes, comenzamos a pensar que la manera de construir el campo de la mediación cultural era generar un espacio de formación de mediadores culturales, que a la vez sea un espacio de sistematización de las prácticas, de lo que se viene haciendo en muchos espacios culturales, y que a su vez contribuya a la producción de conocimientos desde esta práctica. Y en este sentido, nosotros pensamos la diplomatura dándole importancia a tres ejes o dimensiones. Por un lado, una dimensión política, que tiene que ver con algo que decía recién, ¿no? Con que a partir de entender el trabajo en cultura, tenemos que a partir siempre de pensar que tiene que ver con hacer visibles la centralidad que tienen los significados, los procesos simbólicos y los objetos culturales en la estructuración del mundo tal cual lo vemos y lo vivimos, y tiene que ayudarnos a salir de las ideologías que lo sostienen. Por otra parte, tiene que estar al servicio de la construcción de mayor ciudadanía y siempre partir de una concepción de la cultura como un derecho que el Estado tiene que garantizar, no solo a partir de políticas culturales que fomenten la creación, la distribución o el acceso, sino también impidiendo que los servicios culturales se convierten en algo destinado exclusivamente a las élites, ¿no? Resguardando el patrimonio, desarrollando infraestructura y también financiando la investigación cultural. Otra dimensión es la identificación y la puesta en valor del rol del mediador, ¿no? Reconociendo sus prácticas y sus modos de hacer diversos, y siempre desde esta perspectiva centrada en derechos. Y una tercera dimensión tiene que ver con revisar el lugar de la mediación cultural y del mediador cultural dentro del campo académico y de la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, enmarcar
organizar, sistematizar una práctica que es muy novedosa en el trabajo cultural, pero también pensar las formas de articulación entre el ámbito de la producción cultural y artística, el de la producción de conocimientos, que a veces se piensan de manera separada, pero que de ninguna manera pueden serlo. Es decir, es una propuesta que busca poner en valor nuestras formas propias y en diálogo con otras experiencias internacionales, y que por supuesto también parte de la manera en que nuestra universidad, la Universidad de las Artes, piensan a las artes, que esto es siempre como una forma fundamental de producción de conocimientos y de vínculo con la sociedad. Por eso, para nuestra diplomatura, invitamos a docentes de Argentina, de nuestra región, de otros países, como los colegas que nos acompañan hoy, François y Nassim, y también, por ejemplo, Yuka Ferreira, que es exministro de Cultura en Brasil y un reconocido activista cultural, o Víctor Vich, de Perú, Sandra Torlucci, Renata Cerveto, bueno, varias colegas del campo de las artes y de la cultura latinoamericana y del mundo. Bueno, para ir cerrando y dando paso a nuestros docentes invitados y a Nico, si es que recobró su conexión, me gustaría decir que a los desafíos y preguntas que nos hacíamos hace un año, cuando empezamos a pensar esta diplomatura, hoy se le agregan muchísimos más. ¿No? Por una parte, creo que se tornó evidente que rápidamente la mediación cultural se ubicó como una estrategia muy importante para vincular a las comunidades con el universo de producciones culturales y artísticas en este contexto de pandemia. Y en este sentido creo que tenemos que observar, analizar, reflexionar acerca del papel que está jugando la mediación cultural en el trabajo de la cultura actual. Y digo también decir que con el distanciamiento social se habilitaron muchísimas múltiples experiencias, como los ciclos de conferencias de varios museos, entre ellos el nuestro, de la Cárcova, o las visitas virtuales. Nuestra universidad, por ejemplo, generó una plataforma de contenidos abiertos para la comunidad, que se llama Las Artes Conectan, por la que se produjeron contenidos especiales para este momento, para atender necesidades de las poblaciones puntuales, como los adultos mayores, o los niños y niñas, las familias, pero también se habilitaron muchas producciones que la universidad genera sobre un fundamento que hoy nos parece indispensable, que es que hay que generar desde la universidad y desde las artes un espacio de encuentro con la comunidad, ¿no? Un lugar desde donde poder imaginar o imaginarnos nuevas posibilidades de estar, de sentir y de pensar. Bueno, estas son algunas de las preguntas, de ideas que nos hicimos y que motivaron esta invitación a Nassim y a François para esta clase, así que muchísimas gracias y avanzamos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, quiero contarles que hay 268 participantes en el espacio de Zoom, otros tantos participando desde YouTube, viéndonos desde Facebook también, así que agradecemos mucho la participación de los asistentes. Hay personas que saludan desde Lima, otros de Salta, provincia de Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, muy contentos de poder compartir esta charla. Les cuento a quienes se sumaron que pueden elegir el idioma en que quieren escuchar esta conferencia. Abajo en la pantalla tienen las dos opciones, francés o español. También quiero decirles que hay dos canales de chat, uno que es para el de preguntas y respuestas específicamente, donde iremos recopilando las preguntas que vayan surgiendo, que al final de la exposición los invitados estarán respondiendo. Y el otro es un chat de comunicación entre todos los participantes más público. Pero les pedimos, por favor, que utilicen el canal específico de preguntas y respuestas para hacer las consultas que consideren necesarias. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Nicolás Arata. Nicolás es director de formación y de publicaciones de Claxo. Así que, bueno, te agradezco, Nicolás, por estar acá y te doy la palabra. Muchas gracias, Rosario. Bueno, se cortó antes, pido disculpas. Simplemente era para extenderles también una bienvenida, un agradecimiento y recordarles también que para Claxo, en nombre del equipo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, es muy importante
no solamente reponer el rol que las ciencias sociales tienen en el marco del actual contexto de crisis que atravesamos y que, como muy bien decía Damián recién, también abre posibilidades y oportunidades para que los conocimientos, los modos de intervención que estamos pensando, que se desarrollan desde los diferentes campos del saber, tengan una oportunidad para poder presentarse y para poder ver de qué modo se interviene en este tipo de coyunturas. Recordar que para Claxo es tan importante las ciencias sociales como las humanidades, y que el rol de las humanidades y de las humanidades críticas en este contexto de crisis y en los contextos posteriores a esta crisis que atravesamos van a ser fundamentales para pensar nuestras sociedades. Entonces, y para redondear, Claxo celebra que este tipo de iniciativas puedan estar ofreciéndose a través de este formato. Ojalá podamos también hacerlo en algún momento de manera presencial. Pero bueno, lo importante es que estemos aquí en esta clase compartiendo saberes y poniéndolos en diálogo. Muchísimas gracias finalmente a las y los participantes, que veo que siguen creciendo. Y bueno, aquí estamos para escuchar a los colegas y conversar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, siguen llegando saludos de distintos rincones de la región y del continente, y también de Francia. Así que bueno, agradecemos a quienes están asistiendo a esta actividad. Voy a dar la palabra al profesor Bruno Nassina Boudra. Él se formó en la Escuela Normal Superior y fue residente de la Academia de Francia en Roma, en la Villa Medici. Es doctor en Historia del Arte, profesor de Historia y Teoría del Arte en la Universidad Sorbona Nueva, en París 3, donde dirige el Laboratorio Internacional de Investigación en las Artes, LIRA. Es autor de una novela, así como de varios ensayos reconocidos, entre ellos el libro que señalábamos al principio que se puede leer en español. Le doy la palabra a Nassim. Les cuento a todos que bueno, las preguntas se estarán recibiendo por el chat específico y el profesor después responderá al final de las disertaciones. Bonsoir, bonjour, plutôt bon après-midi à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et je remercie vivement Damien Del Valle et tous ceux et celles qui ont contribué à organiser ce qui est pour moi un début de soirée et pour vous un début d'après-midi, je crois, ensemble. Je veux juste signaler quelque chose avant de commencer. On m'a interdit le partage d'écran et je voudrais qu'on me donne le partage d'écran parce que je voudrais vous montrer un PowerPoint. Et je crois que François Mérès aussi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'avez entendu? Si, el PowerPoint lo tiene que compartir Nassim. Oui. Teams. Oui. Oui, mais je peux pas, c'est désactivé. Il faut que vous activiez le partage d'écran. Ah, ok. Sí, esperamos que lo resuelvan los administradores un segundo. Que pruebe ahora, por favor. Voilà. Ça marche? C'est bon? Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, je me suis interrogé un petit peu sur la situation de la médiation culturelle avant l'épisode du Covid-19, et puis surtout, j'ai essayé de faire quelques petites conjectures sur ce qui va se passer après l'épidémie. Alors, en réfléchissant un petit peu à ces questions, je me suis dit que jusqu'en mars 2020, le rapport à la culture, c'est environ 40 ou 50 dernières années, avait évolué dans le sens d'une massification.
être dans la culture, être face à des objets des objets d'art, était une expérience qui était devenue une expérience très largement collective. Comme le montrent par exemple ces images où vous voyez aussi bien à Paris, au Louvre, qu'en Chine, devant la Cité interdite, des foules qui sont ensemble face à ces grands objets de la culture. Pour la musique, c'était la même chose. On avait, ces 50 dernières années, considérablement élargi la jauge des salles de concert. Par exemple, la Nouvelle Philharmonie de Paris devrait accueillir 2400 personnes, tandis que les anciennes salles de concert, la salle Pleyel, accueillent quelque chose comme 900 ou 1000 personnes. On a triplé pratiquement la capacité de nos salles de concert. Et on a aussi pris l'habitude, ou certains d'entre nous les plus jeunes ont pris l'habitude d'aller à d'énormes concerts, des raves, des choses comme ça, où une partie du plaisir vient du fait d'être ensemble. Il me semble que ce plaisir ou ce rapport au savoir, ce rapport à l'art qui est devenu un rapport très collectif, croise au moins deux groupes de valeurs. D'une part, ce que j'appelle une dimension transcendantale qui fait que quand nous sommes comme ça très nombreux face à des œuvres d'art, on tire d'une longue histoire de notre rapport à la transcendance, l'idée de pèlerinage, de communion avec les autres, la ferveur, l'impression chaleureuse d'être avec une foule. Il me semble qu'à côté de ça, il y a aussi une dimension que je qualifierais d'une dimension immanente, qui est plus de l'ordre de la démocratie. C'est l'idée aussi d'un partage d'expérience, de ce que le philosophe français Rancière appelle le partage du sensible. C'est l'idée d'une appropriation collective des biens culturels. C'est l'idée que la culture est une fête, pour reprendre une expression très Jacques Languienne du nom de notre immortel, immarcessible ministre de la culture, de François Mitterrand, qui a tellement en France profondément marqué la relation à la culture. Donc quelque chose autour de la fête. Dans tous les cas, cette grande période de massification de la relation aux choses de la culture s'est accompagnée d'une médiation, elle aussi collective, qui était pensée pour une notion de l'unité de la médiation était le groupe et non pas l'individu. Et la réussite d'une médiation culturelle d'une action de médiation culturelle était en grande partie liée à la taille du groupe. Alors vous voyez sur mes images, ça commence aussi bien tout petit, on a des groupes d'enfants que l'on amène en groupe, collectivement, dans des musées pour les amener vers des œuvres d'art qui peuvent être accrochées dans les musées, ou des œuvres scientifiques d'ailleurs, ou toute autre chose que l'on peut mettre dans les musées. On fait pareil en bas avec des adolescents, et puis on fait ça dans le monde entier. À Venise, on se promène en groupe, sur le Machu Picchu, on se promène en groupe. Bref, dans tous les cas, jusqu'à présent, enfin, depuis la dernière guerre mondiale à peu près, de plus en plus, la médiation culturelle a été liée à cette idée de collectivité. En même temps, ce qu'elle a beaucoup introduit, c'est l'idée de partage. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. S'il y a une forme de joie d'être ensemble face à un objet de la culture ou de partager, c'est cette joie de partager. Et la culture est devenue quelque chose qui est essentiellement défini par le partage que l'on en a. Alors, j'ai mis sur cette diapo le livre d'un de nos collègues directs, à François Mérès et à moi, qui travaille avec nous, enfin qui est paste chez nous, à la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle, et qui a écrit ce joli livre qui s'appelle « Si on partageait la culture ». Et puis, en regardant un peu sur Internet, j'ai vu culture et partage, j'ai vu un proverbe africain sur la culture, c'est partager. Donc, il y avait cette idée très profonde que la culture, ça se vivait collectivement et c'est quelque chose qui se partageait entre nous.
Cette idée, elle nous semble évidente, mais en fait, elle n'est pas du tout évidente. Elle a une histoire et ça n'a pas du tout toujours été le cas. Et c'est venu un petit peu se superposer ou en tendance remplacer une autre relation à la culture qui est beaucoup plus ancienne, qui était une relation au contraire très individuelle et par laquelle la culture humaniste, était une relation à soi. L'objet d'art, que ce soit la musique, la peinture, était conçu comme quelque chose qui nous construit nous-mêmes individuellement dans un colloque singulier, un dialogue singulier avec l'œuvre d'art. Alors pour illustrer ça, je vous montre à gauche deux très beaux tableaux. Un tableau de Lorenzo Lotto qui montre un collectionneur de la Renaissance, un collectionneur du début du XVIe siècle, qui s'appelait Andrea Bodoni, et avec un certain humour, vous voyez, Lorenzo Lotto se moque peut-être gentiment de lui en mettant une petite sculpture qui fait pipi dans le pot dans lequel une déesse se lave le pied. Mais il n'en reste pas moins que ce collectionneur est représenté, c'est avare, vous voyez les pièces de monnaie sur sa table, riche mais aussi qui garde son argent et qui montre son argent et surtout qui a pour lui des sculptures qu'il est seul à regarder, qu'il est seul à pouvoir regarder. Alors nous, on peut les regarder parce qu'on regarde le tableau qu'il représente, mais c'est un tableau qui a été fait pour lui le collectionneur. Donc c'est une affaire très profondément privée. Et ici, je vous montre, alors là, pour le coup, ce qui est, à mon avis, un des plus beaux tableaux de la Renaissance dans l'absolu, le concert du Titien qui est à la Galerie Palatine à Florence. Et où vous voyez comment le public n'est pas du tout représenté. Ces trois personnes jouent probablement pour elles-mêmes et peut-être pour deux ou trois amis autour d'elles. Et l'homme au premier plan qui interroge le prêtre qui joue de la viole de gambe, il lui donne la note, il lui donne le la pour commencer un concert qui sera une musique strictement privée. Alors si vous comparez à la foule qui vient aujourd'hui écouter les concerts, vous voyez comment le rapport à la culture a été profondément bouleversé. Et que donc, sur cette idée de partage, cette idée de partager le moment du lien avec l'œuvre d'art, n'a rien d'évident, elle est datée, elle est historique. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le futur? Donc, très probablement, au moins pendant un certain temps, on va avoir peur de ces foules, on ne va pas vouloir être ensemble, et vous voyez ici le Berliner Ensemble à Berlin, comme son nom l'indique, a déjà commencé à retirer des chaises, et cette jauge que je vous montrais tout à l'heure à la Philharmonie, c'est en tous les cas pour une certaine période quelque chose de passé. On va recommencer à être assez peu nombreux un même soir, à écouter une même musique. Et donc, de nouveau, des valeurs comme la distance, la spécificité, la singularité vont probablement redevenir des valeurs cardinales. Dans les musées, il y aura moins de monde. Les flux touristiques seront momentanément très considérablement amoindri, pas seulement parce qu'on a peur de prendre l'avion, peur d'être en foule, pas seulement parce que les musées qui sont en train de réouvrir aujourd'hui réouvrent sur rendez-vous, mais aussi tout simplement parce que nous entrons dans une crise économique. C'est pas hélas à des Argentins et à des femmes et des hommes d'Amérique de latine et d'Amérique du Sud que je vais apprendre ça, mais l'Europe aussi va rentrer dans une crise économique, donc il y aura moins d'argent et moins d'argent pour voyager. Donc très probablement nous nous déplacerons moins en foule, et quand on sera dans des musées, même dans des musées importants, on pourra retrouver cette relation très inter-individuelle aux œuvres d'art qui est celle que je vous présente ici autour de l'historien de l'art Bernard Berenson, qui dans les années 50 40 à la fin des années 40 était à la Villa Borghese, où il était absolument seul et assis face à face à une statue de Canova,
la princesse Bonaparte de Canova, alors qu'aujourd'hui, enfin, avant la crise Covid, quand on voulait aller à la Villa Borghese, il fallait réserver sur Internet, parce que la Villa Borghese est très fragile, donc on ne pouvait pas y aller en masse, mais il fallait réserver très à l'avance, et bien sûr, on était debout, et bien sûr, il fallait aller assez vite pour laisser rentrer le groupe suivant, etc. Ça, je pense que ce sont des choses qui vont bouger, et peut-être que ce n'est pas plus mal, mais en tous les cas, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ce qui va se passer d'autre part, c'est que l'on va enfin reprofiter des musées de proximité. Alors, j'ai visité, invité, dans les relations que nous entretenons avec Damien Del Valle, avec vous, Aluna, j'ai eu l'occasion d'aller déjà deux fois à Buenos Aires, où vous avez un magnifique musée d'art, et je peux vous dire que quand j'ai visité le musée d'art de Buenos Aires, on était quatre. Donc c'était, il n'y avait pas de problème de Covid. Je risquais pas d'avoir la moindre maladie, mais je pense qu'il va falloir. Il y avait beaucoup moins d'Argentins au musée d'art de Buenos Aires qu'au Louvre le même jour, de manière certaine. Donc on va certainement abandonner ces places to be où on est si nombreux et revenir dans des musées, par exemple, ou dans des lieux de proximité. Mais ça soulève un problème dont François Mérez vous parlera beaucoup mieux que moi, parce que lui, il a toutes les données et que moi, je ne les connais simplement par lui et puis un peu quand même aussi par ma connaissance intuitive des choses. Le problème, c'est que les biens culturels sont très inégalement répartis. Alors, entendons-nous, il y a évidemment la culture est partout, mais des biens culturels particulièrement construits comme étant particulièrement prestigieux sont particulièrement mal répartis dans le monde. Il y en a par exemple énormément en Italie, il y a énormément de musées en Italie, énormément de théâtres, énormément de villes de la Renaissance en Italie. Il n'y en a pratiquement pas en Afrique subsaharienne. Il y a très peu de musées, il y a des pays entiers qui n'ont pas de musées. Puis surtout, les œuvres d'art sont très mal réparties. La plupart sont en Europe, pour des raisons coloniales que vous pouvez imaginer. La plupart sont en Europe. Il y en a aussi beaucoup aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est un pays qui est très riche, qui a pu acheter beaucoup de choses. Il y en a pas mal en Amérique latine. Il y a à peu près zéro tableau de la Renaissance en Afrique subsaharienne, tandis qu'il y a énormément de sculptures d'Afrique subsaharienne dans les musées des anciennes puissances coloniales. Il y en a énormément, par exemple, au musée du Quai Branly. Donc, il y a un vrai problème de répartition au niveau mondial de ces biens qui sont plutôt des œuvres d'art que des biens simplement culturels, parce que des biens culturels, ça, c'est réparti de façon de dire on peut danser partout, on peut chanter partout, on peut être ensemble un peu partout, mais on ne peut pas voir partout une œuvre de Raphaël, par exemple, ou des choses de cet ordre. D'autre part, les musées vont faire et ont déjà continué de faire un effort considérable pour se projeter en ligne. Le problème, c'est que on a beau se forcer à trouver ça admirable, enfin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, un problème technologique. On a beau se forcer à trouver ça admirable, très franchement, pour l'instant, c'est pas au point. Vous pouvez toujours aller sur des sites de musées, vous vous promenez, machin, ça va à peu près pour visiter une villa, par exemple, à louer, un Airbnb, c'est assez marrant, mais pour voir des œuvres d'art, par exemple, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire ce tableau, moi j'ai testé le truc du Louvre, ce tableau, vous pouvez toujours jouer avec votre ordinateur, c'est fantastique, c'est amusant, c'est moderne, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas au point, ce n'est pas la même chose que de voir un tableau. Le deuxième problème, c'est que pour l'instant c'est gratuit et ça coûte très très cher au musée, je suppose. François vous en parlera bien mieux que moi, mais quand je dis au musée, il n'y a pas que des musées, il y a toutes sortes d'institutions culturelles, des muséums, des salles des théâtres, des salles de danse, etc. Quoi qu'il en soit, ça coûte très cher à produire et pour l'instant c'est gratuit. Et ça, c'est un problème, parce que ça ne va pas pouvoir rester gratuit très longtemps. Et je sais qu'aujourd'hui, les responsables de ces institutions culturelles cherchent à faire payer de plus en plus leur offre sur Internet, qui est une offre très sophistiquée, pas très satisfaisante sur le plan technologique, moins satisfaisante qu'on le dit.
est très sophistiqué et je doute que les gens aient très envie de payer. Quand les musées vont commencer à leur dire, voilà, vous donnez votre numéro de carte bleue pour vous promener avec votre souris à l'intérieur de nos salles, je crois qu'on sera très peu nombreux à avoir envie de continuer à se promener, ou alors il faudra avoir une offre extrêmement qualitative qui sera encore plus onéreuse à produire. Et puis, il y a Laura, discúlpame, tengo que hacer una interrupción breve. ¿Le podés avisar a Nassim, por favor? Que un inconveniente con la transmisión por YouTube. Necesitaríamos pedirle a Nassim que otorgue a Alejandro el host, a la red de posgrados. Que le dé, no sé si él sabrá cómo hacerlo, pero tiene que elegir la opción de otorgarle el host a Red de Posgrado, que es el que estaba de alguna manera conduciendo la cámara, no sé si se entiende. En la parte de participantes, él tendría que avisar que otorgarle la posibilidad de ser host a Red de Posgrados. No sé si es posible, Laura, explicárselo. Je sais pas. Disculpen, es... Copier les... j'essaie, mais... c'est dans participants. Exacto. En donde están los panelistas, la opción de participantes en la barra de la derecha, él va a ver un listado con los panelistas. En ese lugar encuentra quién es el host. En este momento es Nassim. Lo que hay que hacer, lo que Nassim puede hacer es otorgárselo a Red de Posgrados. Que es... Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est fait, je crois. Ajá. C'est bon. Je le sigo viendo comme host. Non. C'est bon. Non, non, non. Non. J'ai compris, mais j'y arrive pas. Nouveau participant. Invité. Il faut que je fasse invité. Bueno, no... Désolé, je... ¿Vos voulez pas le claro, faire? Hubo un error en la configuración, pero bueno, si no, sigamos así y nosotros veremos cómo lo mais alors, personne ne m'écoute, disculpas, là. Si no es posible, disculpas. ¿Por qué vos lo faites pas? Moi, je n'y arrive pas. Participant. Bueno, entonces seguimos así. El problema que estamos teniendo es que la transmisión autoriser les participants, c'est ce que j'ai fait, hein. Justamente por este inconveniente que hubo al compartir pantalla, fue un error de técnico. No hay problema. Así que Laura, decile a Nassim que désolé. Disculpe. J'ai que presque fini continue. De toute façon. Hein. Oui, je disais qu'il y a, bon, il y a un autre problème qui est ce que l'on appelle la fracture Internet qui se redouble d'une fracture sociale, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde n'a pas une bonne connexion Internet et donc beaucoup de gens, s'ils se promènent sur des sites culturels, le font à partir de leur téléphone, par exemple, ou d'ordinateurs qui ne marchent pas bien, etc. Et donc, les résolutions d'image, les résolutions de son ne sont pas bonnes. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'accès pour aller sur ces sites, il faut connaître déjà l'institution sur laquelle on veut aller. Si vous voulez, s'il y a un musée, je ne sais pas moi, s'il y a un musée à Lima dont je n'ai jamais entendu parler, je n'irai jamais sur ce site. Donc, on va uniquement sur des sites que l'on connaît déjà ou sur des institutions que l'on connaît déjà. Et
plus on est cultivé, plus on peut se cultiver, mais il y a le problème de la médiation culturelle qui consiste à essayer aussi de faire venir des gens vers des institutions culturelles ou vers des offres culturelles n'est pas résolu par ces sites qui émettent passivement. Il faut aller les chercher. Et puis pour finir, on doit se poser la question de savoir ce qui va advenir des médiateurs culturels. Ça nous intéresse évidemment beaucoup, puisque nous formons des médiateurs culturels, que ce soit vous à Luna ou nous à Paris 3, et donc savoir ce qu'ils vont devenir est assez préoccupant. Alors, on peut être optimiste et penser que si les groupes sont de moindre quantité, si l'on est moins nombreux à partager le moment de relation à la culture, alors il faudra plus de médiateurs culturels parce qu'il faudra, là où un médiateur culturel pouvait faire une action de médiation pour 50 personnes, il en faudra 2 pour 25 personnes ou il en faudra 4 pour 12 personnes et ainsi de suite. Donc on peut penser qu'on va embaucher beaucoup de médiateurs culturels. Mais malheureusement, on peut aussi penser qu'on n'aura pas les moyens de le faire, qu'on va vers une rétraction quand même de nos moyens financiers. Et on sait que, enfin, pour l'instant, avant la crise du Covid, en tout cas, dans un pays comme la France, les médiateurs culturels étaient la variable d'ajustement de la plupart des institutions culturelles. C'est-à-dire qu'ils étaient rarement titulaires, souvent saisonniers, et donc on peut penser que s'il y a moins de monde qui vient, il y aura aussi moins de médiateurs culturels. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et que je soumets évidemment à votre discussion, et je suis tout à fait désolé du problème technique et de ne pas avoir réussi à le résoudre. J'espère quand même que quelques-uns d'entre vous ont pu m'écouter. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je quitte le partage d'écran. Voilà. Allô? Allô? Oui, voilà. Muchas gracias. Muchas gracias, Nassim. Muchas gracias por tu intervención. Un placer escucharte. Bueno, quiero contarles a quienes están, que se incorporaron durante la conversación. Esta es una actividad del Diplomado en Mediación Cultural de la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo. Tenemos hoy a dos invitados de lujo, a Nassim Aboudra y François Mirés, ambos profesores de Sorbona Nueva en París 3. Nos están acompañando, estamos haciendo esta clase abierta, una clase que se está transmitiendo por Zoom, también se está transmitiendo por YouTube y por Facebook. Hay más de 400 personas viendo en directo esta clase. Estoy escuchando a Laura, ¿no? Está bien, Laura, no hay problema, justo era el final de la intervención de Nassim. Solo creo que el saludo final. Bueno, decía que bueno, la dinámica para quienes se incorporaron durante la transmisión es, estamos escuchando a los profesores Nassim y François Mirés, y estamos escuchando su clase. Tenemos un canal para preguntas y respuestas a través de Zoom, que es un chat específico para eso. Luego de terminadas las dos exposiciones, vamos a abrir a preguntas, así que les pedimos que vayan haciendo por ese canal las preguntas correspondientes. Y como les decía, esta es una clase abierta que se enmarca en el Diplomado en Mediación Cultural. Este diplomado inicia su segunda corte, está abierta la inscripción hasta el 1 de julio de este año, y es un diplomado virtual que se hace entre la Universidad Nacional de las Artes junto con Claxo, que se
hace entre julio y diciembre de este año, y bueno, tenemos hoy invitados a estos profesores de lujo. Voy a dar la palabra a François Mirés. Él es museólogo, profesor de Economía de la Cultura y titular de la Cátedra UNESCO sobre el estudio de la diversidad museológica y su evolución, perspectivas del Museo en la Universidad de la Sorbona, para la Universidad de la Sorbona Nueva, París 3. Asimismo, enseña museología en la Escuela del Louvre. Anteriormente dirigió el Museo Real de Marimont en Bélgica y ha participado en el Comité Internacional de Museología. Ha publicado numerosos artículos y obras en el campo de la museología, de la economía, de la cultura y de la mediación cultural. Voy a darle la palabra a François. François, si necesitas hacer presentación de pantalla, te pedimos que también elijas la opción de compartir pantalla, y en este caso, bueno, vamos a tener que aceptar tu pantalla. Te pedimos que lo intentemos, si es así, a ver si funciona bien. Bonjour à tous. Je vois que j'ai le même problème que mon collègue pour le partage d'écran, effectivement, qui ne fonctionne pas, pour lequel il faudrait demander une autorisation. Necesitamos que Bruno le haga a redes posgrados ser host, y desde ahí habilitaremos la posibilidad a todos los profesores para que puedan compartir pantalla. Bruno tiene que entrar a la parte de participantes y cliquear sobre redes posgrados para darle en la opción de más, la opción de ser host a redes posgrados. Eso sería muy importante, sería fundamental que lo pueda hacer Bruno. ¿Puede partager, es eso? Sí. Sí, sí, sí. C'est fait. Oui. Ça y est, je l'ai fait. Voilà. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons donc pouvoir commencer. Merci beaucoup en tout cas. Por favor, que haga lo mismo, pero que me dé que dé el host a redes posgrado. Él habilitó. Ah, bueno. Dale. Je commence, c'est bon? Oui. Ok. Bien. Et non, si puede, por. Si le dio la posibilidad a François de compartir pantalla, estuvo excelente. Le pido ahora que entre a participantes y me haga host. Así, a la red de posgrados. Alors. Mil disculpas. Alors, conversation. Non, c'est pas ça. Bueno, igualmente entiendo. Ah, non. Donc, si je clique invité. Bueno, continuemos y subiremos la charla completa después a YouTube. Non, désolé, je ne vois pas comment ça fonctionne là. Très bien. Bien, je suis donc très heureux effectivement de pouvoir poursuivre, et je poursuivrai dans la même voie que mon collègue, pour évoquer donc les enjeux de la médiation culturelle après ce moment tout à fait particulier que nous avons vécu dans le monde entier. Bien entendu, comme vous le savez, il y a plusieurs manières de penser la médiation culturelle. Je ne vais pas toutes les évoquer, il y a beaucoup de postures différentes du médiateur. On a parfois vu le médiateur comme un philosophe, en quelque sorte, comme Socrate qui a couché les âmes. On l'a vu comme un enseignant classique, un instructeur, un éducateur, un vulgarisateur, un interprète, etc. Toutes ces différentes postures se positionne différemment effectivement sur deux plans. Un premier plan dont on pourrait dire qu'il est cognitif, qu'il est lié évidemment à la connaissance, à l'appréciation d'une œuvre, d'un objet scientifique, et pour lequel on peut effectivement envisager que la relation
puisqu'il s'agit effectivement pour un médiateur de travailler la relation, passe plus par un certain nombre d'informations qui peuvent être données par rapport à une œuvre ou bien par rapport à un objet, plutôt de travailler sur la compréhension même. Mais ça n'est jamais qu'un premier registre. Il y a un deuxième registre qui est tout aussi important et qui est plutôt lié, pourrait-on dire, à la sociabilité. Un certain nombre d'actions de médiation et un certain type de travail du médiateur, Nassim Aboudrar l'a évoqué largement aussi, porte sur le partage. Le partage, c'est-à-dire effectivement d'être ensemble. Le musée, le théâtre, la salle de concert sont des lieux de sociabilité. Ce sont des lieux où on partage ensemble et où, en quelque sorte, nous nous rendons compte de ce qui veut dire la société. C'est en ce sens-là, effectivement, que la médiation a une vocation partiellement politique, en quelque sorte. Et cette vocation-là était très largement débattue, évoquée, à partir notamment des années 1970, et c'est sans doute une des dimensions les plus importantes. Il existe des actions de médiation dans le domaine social qui portent beaucoup plus sur le travail avec le groupe, où effectivement, on parle par exemple d'inclusion sociale, le travail du médiateur vise beaucoup plus à montrer que des gens qui pensent que aller au musée, aller dans un théâtre, aller dans une salle de concert n'est pas fait pour eux, qu'au contraire, c'est une action qui très clairement les intègre au sein de la société, et donc que le travail du médiateur vise à inclure des gens qui se sentaient exclus. Cette dimension-là, comme je l'ai dit, elle a surtout évolué au début des années 1970, même si elle puise ses racines dans l'éducation populaire, qui très clairement, effectivement, remonte au 19e siècle. Le médiateur culturel, lorsque la notion même de médiation culturelle s'est développée à la fin des années 1990, au milieu des années 1990, était sans doute effectivement une figure, un acteur qui travaillait sur ces deux plans. Aussi bien sur ce plan effectivement cognitif, d'appréciation, de compréhension d'un objet culturel, pourrait-on dire, pour rester dans un sens large, mais aussi de travail avec la société, avec la compréhension du public, et avec un public potentiellement aussi de plus en plus vaste. Et on pourrait dire que c'est sans doute cette dimension-là qui s'est le plus développée. Nassim Aboudrar a évoqué effectivement l'agrandissement des salles. Il y a tout ce travail de démocratisation vers la recherche de nouveaux publics qui a été très largement appuyé ces dernières années. Jusque, pourrait-on dire, effectivement, ce moment très particulier, à partir essentiellement du mois de mars, avril, dans le monde, qui a vu la fermeture de la plupart des lieux de culture. De la plupart des lieux de culture, ce qui veut dire qu'on a eu effectivement ce moment très particulier où on pouvait voir tous ces musées totalement vides, toutes ces salles de théâtre désertées, etc. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que très rapidement, un certain nombre de réactions ont eu lieu. Il y a eu bien sûr des réactions concernant la culture elle-même. On a vu dans les lieux qui étaient très largement confinés des actions culturelles, ce lien avec d'autres personnes justement à travers notamment la musique, beaucoup plus évidemment que le théâtre et a fortiori que l'appréciation d'œuvres qui portaient directement dans les quartiers même à travers les gens eux-mêmes. Mais malheureusement, ce qui est sûr aussi, c'est que les médiateurs, qui justement jouent ce rôle de sociabilité et ce rôle d'explication, ont été sans doute parmi les plus touchés, les plus directement, puisque tous les lieux de culture étant pour la plupart fermés, le travail, Nassim Aboudrar a aussi évoqué le fait que la plupart sont indépendants, etc. Beaucoup qui guidaient des groupes touristiques, etc., n'ont pas trouvé de travail immédiatement. Et donc, c'est une profession qui, pour l'instant, est vraiment dans la tourmente. Comme vous l'avez évoqué, je suis spécialisé depuis un certain nombre d'années dans le monde des musées, donc je vais évoquer un certain nombre de questions et de questionnements liés plutôt
spécifiquement au monde des musées, il m'a été donné de travailler justement sur les réactions des musées à la crise de la Covid. Le point important, c'est effectivement la première chose d'abord, c'est que 90% des musées dans le monde ont été fermés. Les chiffres que vous avez ici sont des chiffres assez rares. C'est la première fois, et les chiffres ont été publiés il y a 4-5 jours. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site de l'UNESCO. C'est un rapport qui évoque trois éléments importants. D'abord, l'estimation du nombre de musées. Ce que vous pouvez voir, c'est la très forte concentration, évidemment, du nombre de musées en Europe occidentale, en Europe orientale, et très clairement un certain nombre d'États, notamment bien sûr en Afrique ou dans les États arabes, qui sont très dépourvus d'établissements culturels. C'est le cas pour un grand nombre des institutions occidentales. On pourrait voir sans doute la même chose pour les salles de concert, philharmoniques, etc. Ce qu'il est impressionnant de voir, c'est que dans toutes les régions, aussi bien effectivement en Afrique, en Amérique latine, qu'en Europe, presque toutes les institutions ont été fermées. Aussi bien au Vanuatu, à Timor-Leste, en Angola, en Afrique du Sud, que effectivement en Argentine, au Canada, etc. Le point important qui s'est développé, c'est que, bien sûr, un certain nombre de réactions ont immédiatement émergé. Les réactions auxquelles on pense le plus directement, bien sûr, ce sont des réactions au niveau des sites Internet. Beaucoup de travail qui avait été fait au cours des dernières années en matière de numérisation du patrimoine ont effectivement été présentés comme étant la solution. Et on a vu beaucoup d'articles dans la presse, dans les médias sociaux, etc., pour dire « les musées sont fermés, mais vous pouvez les visiter sur Internet, etc. » Je vous ai montré deux exemples ici, je pense que c'est en Côte d'Ivoire d'un côté et au Bangladesh de l'autre, pour évoquer le fait que ce type de présentation existe un peu partout. Et donc on pourrait dire, oui, les musées ont trouvé des solutions partout dans le monde pour être visibles. Mais très clairement, évidemment, ce qu'il est important de voir, c'est que d'abord, ces interventions, elles n'ont pas eu lieu durant la crise du Covid. Elles ont eu lieu bien avant, c'était des investissements. Beaucoup de ces investissements ont été d'ailleurs portés par Google, avec le projet Google Art and Culture. Et ce qu'il est intéressant et aussi important de voir, c'est que l'essentiel du patrimoine qui a été numérisé, que ce soit des musées, que ce soit des lieux historiques, ou parfois des centres culturels, on le trouve essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, un petit peu effectivement en Amérique latine, beaucoup moins à mon sens par rapport justement à la richesse du patrimoine, un petit peu aussi en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, mais très clairement on observe une concentration et donc effectivement une inégalité de la répartition à travers le monde. Le deuxième type de réaction qu'on a pu voir à travers Internet, c'est bien sûr toute une série d'expositions, d'activités qui auraient dû avoir lieu. Comme vous le savez, il y a plusieurs fois des expositions qui ont été inaugurées au mois de mars, par exemple, et qui, deux ou trois jours plus tard, ont dû fermer leurs portes. Un certain nombre d'établissements, de musées, de centres culturels, ont immédiatement essayé de numériser, entre guillemets, ces expositions, ou bien de le faire, comme nous le faisons ici, de transposer des activités, des concerts, des conférences, des activités qui normalement auraient eu lieu dans le centre, sur Internet. On a pu voir émerger même des radios, des visites par robots, qui sont des visites interactives. Bref, toute une série de choses qui ont pu se développer, notamment de manière à refléter des activités qui auraient dû avoir lieu, effectivement,
sur, je dirais, sur les lieux initiaux et qui ont eu lieu de manière numérique. Bien sûr, les réseaux sociaux ont été très largement utilisés. Les réseaux sociaux principaux, hein, Baidu en Chine, bien sûr Facebook, Twitter, etc., qui ont été très largement utilisés. Certaines actions de ces réseaux sociaux, comme notamment celle qui a été initiée par le Rijksmuseum à Amsterdam et qui a été transposée par le Getty et qui ont connu une reconnaissance très internationale, parce qu'en fait très spectaculaire, proposant aux internautes de reconstituer des œuvres d'art à partir effectivement de leur propre lieu sur place. Et donc vous voyez toute une série de représentations qui ont été faites. Évidemment, à travers ce lien, on se rend bien compte que l'expérience qui est proposée est une expérience très très différente de ce qui peut être présenté dans un lieu sur place, dans un musée. L'expérience de ce qu'on appelle la vraie chose en quelque sorte, et très clairement on est dans toute une série d'apports ludiques, pourrait-on dire, qui montrent que bien sûr il y avait cette volonté avant tout de continuer une relation. On savait bien, la plupart des musées savent très bien, que ce qu'ils peuvent proposer sur place n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils peuvent proposer sur la toile. Ce qu'on a pu observer aussi d'ailleurs, et c'est la dernière chose, c'est un certain nombre d'établissements qui ont véritablement cherché à se transformer totalement et à proposer des choses directement à disposition de tous les publics qui étaient confinés. Et donc, on a vu des musées créer des jeux de société, puisque pendant plusieurs semaines, beaucoup de parents ont occupé leurs enfants, et donc, beaucoup de musées ont cherché justement à faire des activités spécialement pour les familles, telles qu'ils ne le faisaient pas de manière aussi importante auparavant, de manière effectivement à se présenter de nouveau au service du public, et toujours pour maintenir ce lien très particulier, pourrait-on dire, avec la société. Ce qu'il est important de voir, évidemment, c'est que là, à nouveau aussi, ces différentes actions n'ont pas du tout été développées de la même manière dans le monde. Ce qu'on a pu observer à travers l'enquête qui a été diligentée par l'UNESCO, c'est que c'est essentiellement aussi en Europe occidentale qu'on a pu voir cet investissement. Si l'investissement en matière d'exploitation de ressources déjà numérisées a pu avoir lieu partout, sur tous les continents, si le développement de réseaux sociaux a pu se faire et s'opérer, l'essentiel d'activités sociales, en fait, il requiert évidemment un investissement en matière de personnel, de personnes qui soient à même, au sein des structures culturelles, de pouvoir travailler sur Internet. Et comme nous le savons, une grande partie du personnel, mis à part les institutions les plus importantes, n'est pas du tout à même de faire ce type de travail, ou en tout état de cause, de développer des formules qui puissent être transformées du jour au lendemain pour s'adapter aux besoins d'un cyberpublic, pourrait-on dire. Que retenir de ces différents éléments? La première chose, effectivement, c'est que si on s'interroge sur le futur des politiques culturelles qui sont en train de se développer, pour l'instant, les choses sont floues. Ce qu'on observe, c'est que actuellement, évidemment, toutes les actions qui sont développées, par exemple en France ou dans d'autres pays, d'abord, elles visent à répondre à des questions qui sont essentiellement liées à des questions sociales et de chômage. Comment les acteurs culturels peuvent-ils passer ce cap extrêmement difficile qui va être lié à une crise économique et qui était lié à des campagnes de non-emploi? Ce qu'on peut observer, évidemment, c'est qu'il y a une volonté dans les politiques culturelles d'enjeux de démocratisation, qu'on retrouve depuis Malraux, qu'on voit se développer, qui se sont poursuivis à travers, effectivement, un travail de rapprochement vers les publics. Et bien entendu, toute la question de ce rapprochement à travers Internet apparaît comme une solution qui, pour beaucoup de responsables politiques, est une solution très intéressante et envisageable.
Évidemment, ce dont on se rend compte, c'est que ce type de réflexion va totalement à l'encontre, pourrait-on dire, du travail d'éducation populaire, qui, au contraire, est un travail beaucoup plus en lien avec les publics, mais sur place, qui est un travail qui vise à rassembler les gens, à les intégrer, mais pas de manière effectivement numérique sur la toile. C'est effectivement cette chose-là et ce point-là qui apparaissait comme l'une des dimensions les plus importantes actuellement au sein effectivement de beaucoup d'établissements culturels. L'une des notions dont on parle beaucoup en France notamment, ou dans les pays anglo-saxons, c'est l'idée de tiers-lieu, de third place en quelque sorte, le musée, le centre culturel ou la bibliothèque comme étant le troisième lieu entre le cercle familial et le cercle du travail, c'est-à-dire un lieu de sociabilité où on se retrouve, où on discute, où il y a bien sûr des propositions culturelles, mais c'est plus que cela. C'est plus qu'effectivement un simple lieu où on peut apprécier des œuvres, c'est aussi un lieu où on peut discuter ensemble, s'approprier ensemble ces œuvres et où la culture se partage, effectivement. Le risque, c'est bien entendu qu'actuellement, ces troisièmes lieux et la possibilité que les gens se rencontrent, pour l'instant, est très largement mise entre parenthèses. Ce qu'on voit bien sûr aussi dans les semaines ou pour les semaines à venir, c'est que le rôle économique et les mesures qui vont être prises sont des mesures qui vont très largement être à dominante de l'emploi culturel ou non culturel à sauver. Ce qu'on a pu voir, en parallèle à ces questions-là, c'est que justement les questions qui se posent, ça n'est pas de voir, enfin c'est plutôt d'apprécier toutes les offres numériques qui ont été faites comme étant une nouvelle solution, en se disant « mais oui, la culture pourrait être beaucoup plus partagée par justement le numérique ». C'est à mon sens un piège extrêmement difficile et extrêmement complexe. À travers la relation qu'on peut avoir sur le numérique, il y a un grand nombre de choses qui peuvent être faites. Et la conférence que nous tenons ici aussi en est un très bon signe. Il y a quelque chose qui peut passer, évidemment, à travers Internet, une relation qui peut se produire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette relation se produit beaucoup plus, en quelque sorte, j'aurais tendance à dire, de manière très néolibérale, c'est-à-dire sans qu'il n'existe de société. C'est la phrase de Margaret Thatcher, « There is no thing, such a thing as society ». La société, ça n'existe pas, disait-elle. Et c'est évident que Internet, en s'adressant uniquement à moi, parle de mon musée personnel, parle de ma musique que j'écoute, potentiellement de mon réseau d'amis, mais effectivement, sans penser que nous pouvons être plusieurs à apprécier ensemble et que, à travers cela, il y a un échange qui ne passe justement pas par cette relation qui est finalement une relation très contrôlée. C'est évidemment, à mon sens, la menace ou la crainte la plus forte qui se tisse. À travers l'urgence sociale, il y a bien entendu une question de problèmes sociaux qui vont être extrêmement importants dans les mois à venir en matière de crise économique, mais sans doute aussi de non-rassemblement des gens, et effectivement peut-être d'une certaine négation des musées, des lieux, des théâtres, des centres culturels, des salles d'orchestre, comme étant aussi ces lieux de rassemblement dans lesquels on peut on peut discuter ensemble, et on peut ensemble effectivement considérer ce qui est la culture, c'est-à-dire ce qui nous relie aussi, en quelque sorte, et ce qui fait société. Je vous remercie. Voilà, et j'arrête. Bueno, muchísimas gracias, François. Muchísimas voilà. Gracias por compartir tu experiencia, tu mirada, tu diagnóstico sobre esta situación. Nuevamente, muchas gracias, Nassim. También muy interesantes las dos propuestas, las dos lecturas, abren un universo de pensarnos desde el lugar en el que estamos, pero también en cómo empezar a construir un futuro, y digo construir por lo que ustedes están trayendo como las preguntas en este contexto.
Preguntas que, bueno, veremos cuáles, de alguna manera, las respuestas que se van construyendo de forma colectiva. También celebramos poder estar pensando aquí, en este momento, junto con ustedes, esta realidad que atraviesa los continentes, se atraviesa los océanos. Entonces, bueno, hoy nos encontramos ante dificultades similares con realidades diversas, y eso es, de alguna manera, la posibilidad de enriquecernos mutuamente, lo que se abre. Quiero contarles que hay varias preguntas muy interesantes que fueron haciendo los asistentes a través del canal de preguntas y respuestas. Vamos a compartir algunas con ustedes en los minutitos que nos quedan. Les cuento, hay una pregunta que, bueno, las voy a reformular porque son varias, pero que apuntan hacia puntos similares. ¿Cómo consideran la función o el rol del mediador cultural hoy en día, entendiendo la imposibilidad de este encuentro presencial, de este encuentro de los cuerpos en los espacios de disfrute y acceso y vinculación con los bienes culturales? ¿Cómo piensan que se puede, de alguna manera, refundar o refuncionalizar el rol específicamente del mediador cultural? Y también preguntan sobre la alianza con los gestores culturales, o la diferencia con el rol de un gestor cultural en relación a esta nueva realidad. Sí, esa sería una pregunta que me parece puedo sistematizar en relación a varias que se hicieron. Je veux bien commencer. Je vois comme ça deux choses. D'abord, je pense qu'on ne va quand même pas s'arrêter complètement d'aller dans des lieux de culture. Je pense que ce sur quoi personnellement j'insiste, c'est sur la question de la proximité, du fait qu'il y ait une moindre distance, moins de voyages. Que ce soit à l'intérieur d'une même région, ou que ce soit des voyages transfrontaliers. Je pense qu'il y en aura moins. Je pense qu'on va profiter plus de ce qu'on a près de nous. Et pour ça aussi, il faut des médiateurs culturels. Donc j'imagine qu'il y aura, je ne pense pas qu'on va arrêter d'aller au musée. En France, par exemple, ils sont en train de cette semaine, ils réouvrent. Et en Europe, jour après jour, les musées réouvrent. Simplement, ils réouvrent à moins de monde à la fois. Donc ça, c'est une première réponse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas changer. Le deuxième élément de réponse, mais François répondra sans doute mieux que moi, c'est tout ce que l'on disait aussi bien lui que moi sur ces sites internet. Je pense qu'il faut intégrer des médiateurs culturels à leur conception. Et que pour l'instant, ces sites sont trop des sites de geeks, de spécialistes d'Internet, manifestement briefés par des directeurs des publics dans les musées, mais on a l'impression que justement, trop souvent, la jonction, donc le rôle du médiateur, n'est pas pris en considération par les sites. Ce qui fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si l'on ne veut, soit on est dans une démarche d'autodidactie, une démarche d'autodidacte, où on sait déjà ce qu'on veut apprendre et on va sur le site. Par exemple, je veux apprendre l'espagnol, je sais qu'il y a une langue espagnole, je vais sur un site qui apprend l'espagnol, mais si je ne sais pas que l'espagnol existe, je ne vais pas aller sur ce site. Et s'il n'y a pas quelque chose sur un site qui me dit ce que c'est, quel avantage j'ai à apprendre l'espagnol, je ne vais pas y aller non plus. Donc là, il y a cette jonction, enfin, dans laquelle il va falloir intégrer des médiateurs culturels. Donc, je pense qu'il y aura aussi ce travail à faire. Mais je pense surtout que François sait bien mieux que moi répondre à cette question. Alors, ce qui est sûr, c'est, je rejoins tout à fait Nassim Aboudrar à ce sujet. C'est effectivement que ce qu'a montré la crise de la Covid, c'est parfois la faiblesse d'un certain nombre de sites qui sont essentiellement pensés comme des lieux de communication. Et parfois aussi la richesse, véritablement, mais d'un nombre beaucoup plus réduit de lieux, riches parce que justement, ils ont été développés avec une réflexion qui allait beaucoup plus dans le sens de la médiation.
Ça n'est pas un hasard si le master que nous avons développé ces dernières années à Paris 3, l'un des masters s'appelle Musée et Nouveaux Médias, parce que justement il s'agissait de former des médiateurs qui puissent s'emparer des réseaux sociaux, et pas simplement dans une optique de numériser du patrimoine ou bien de développer une boutique en vente, mais très clairement de développer quelque chose de beaucoup plus riche. Et donc, forcément, il y a, à mon sens, quelque chose là qui est important. La deuxième chose, j'aurais tendance à dire, qui s'est peut-être passée à travers la crise, c'est de voir à quel point la confrontation sur place dans des musées, mais à mon sens, on pourrait dire exactement la même chose de ce que nous faisons à l'université, que la relation entre l'enseignant et les étudiants est quelque chose que nous avons parfois souvent galvaudé parce que tout le monde considère que c'est tout à fait normal d'être face à un enseignant ou d'être face à un objet ou à une symphonie. Or, on est dans quelque chose qui est très précieux et nous avons vu le caractère extrêmement précieux de cette relation particulière. Je pense que ça donne quelque chose qui est extrêmement intéressant et extrêmement riche à pouvoir développer. Donc, ça veut dire aussi que beaucoup de gens, je pense aussi, vont se rendre compte de cette nécessité-là et vont vouloir peut-être, j'espère, renforcer la qualité de ce que nous mangeons, de ce que nous prenons, de ce que nous dégustons quand nous rendons dans un lieu culturel et comment nous pouvons mieux l'apprécier. D'un autre côté, et ça c'est un des points qui est très important et je terminerai par là, tout évolue extrêmement rapidement. Et on se rend compte à quel point il suffit de voir les émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis récemment, à quel point la notion, la volonté même de développer des actions ensemble, de protestation, etc., a repris le dessus. Ce qu'évidemment, d'ailleurs, le gouvernement n'aime pas, jamais. Et donc, très clairement, l'idée du confinement est extraordinaire pour ça. Mais bien entendu, le point important, c'est de voir que nous parlons bien sûr de distance, mais peut-être que dans 2 mois, la situation et la crise économique sera tellement grave que tout le monde se dira « il faut absolument surtout que tout soit rempli le plus possible, etc. » Donc il y a aussi d'ailleurs un risque que tout redevienne exactement comme c'était avant, d'une certaine manière, et qu'on oublie un certain nombre, à mon sens, d'éléments extrêmement précieux de ce qui s'est passé. La fonction du médiateur à ce niveau-là, à mon sens, peut en ressortir vraiment très enrichie à tous ces niveaux-là. Mais il y a aussi un risque qu'on fasse comme si c'était avant. Muchas gracias. Hay también, les cuento, en este momento tenemos 36, 37 preguntas, entonces estoy tratando de sistematizar lo más posible para poder atender las distintas miradas que hay sobre las exposiciones y poder acercarles las preguntas. Hay una inquietud que se repite de diferentes maneras, pero que tiene que ver con cómo se piensa el derecho al acceso a los bienes culturales o el derecho al disfrute de la cultura, de alguna manera en relación a en dónde queda el sujeto colectivo como beneficiario o cómo es posible garantizar el acceso a derechos en relación a esta subjetividad colectiva o a esta comunidad, pensando, bueno, por supuesto, en relación a los museos o los espacios tradicionales de los espacios de producción cultural o de expresión cultural, pero también otras formas de la cultura, del acceso a la cultura, y de alguna manera aparecen preguntas en torno a, bueno, ¿cuál sería entonces el cómo podría revisarse el paradigma de la democratización cultural cuando en realidad quizá ya este escenario nos invite a pensarnos en un nuevo paradigma o nos exija posicionarnos en otro lugar? Un poco esa es la pregunta en relación al derecho. Nassim. Non, je ne viens pas de. Alors, je te laisse la priorité. euh,
Comment voir ce paradigme autrement? Ce qui me venait à l'esprit, c'est que la notion même de démocratisation culturelle... alors, avant la crise de la Covid, elle était déjà souvent mise à mal. Et beaucoup de gens disaient « ça ne fonctionne pas, en quelque sorte ». Et ceux qui sont les plus convaincus disent « ça change très lentement, en quelque sorte, mais quelques pourcents de changement progressivement, ça constitue des centaines de milliers de personnes dans un pays ou des millions de personnes dans un pays quand on parle de quelques pourcents d'une classe sociale qui viennent en plus et qui constituent et qui considèrent que ça leur appartient aussi. » Je pense que globalement, ce que révèle en quelque sorte la crise, c'est que la fracture est encore beaucoup plus forte. Et que non seulement il y a une fracture qui se passe au niveau de l'accessibilité, au niveau de la compréhension, il y a une fracture économique qui est très forte, il y a une fracture numérique qui est sans doute encore plus forte. Le problème, en quelque sorte, c'est que ce que ça montre, c'est que la fracture n'est pas simplement au niveau de la démocratisation de la culture à travers des actions classiques. Et qu'elle ne se passera pas uniquement à travers uniquement des médiateurs. Ce qui est sûr, et à mon sens, c'est ce qu'on voit émerger actuellement dans le monde, et ce que je pense, c'est que ça va sans doute encore se développer dans les années à venir, c'est un rôle, au contraire, de plus en plus actif de la part des médiateurs, et de plus en plus actif, je dirais même plus activiste. C'est-à-dire, effectivement, alors on le voit très très bien dans les musées, les musées décident, et notamment, et c'est à travers les médiateurs, beaucoup plus que des conservateurs ou autres, décident de jouer un rôle beaucoup plus fort au niveau des valeurs au sein de la société. Que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau effectivement du développement durable, que ce soit au niveau de la décolonisation ou du postcolonial, que ce soit au niveau effectivement... je dirais, de toutes les valeurs qui peuvent être de l'égalité des genres. Ce sont tous ces éléments-là qui, à mon sens, vont sans doute peuvent encore potentiellement plus se développer. Ce que la crise, à mon sens, amène, c'est une cristallisation encore plus forte, c'est-à-dire que les réponses vont être sans doute encore plus fortes dans les deux sens. Qu'il y aura des médiateurs qui vont encore plus s'investir et de manière beaucoup plus, potentiellement peut-être plus violente, et qu'il y aura, à mon sens aussi, une crise économique qui sera encore plus violente et que la séparation sera encore plus, de plus en plus inégalitaire. Je ne sais pas vers quoi ça peut nous mener. C'est une autre question. Moi, j'ajouterais que je pense qu'il faut... penser les choses de manière aussi beaucoup plus géographique, enfin, beaucoup plus spatiale et géographique qu'on ne le fait, et surtout qu'on ne le fait en Europe, parce que bon, nous, on vient d'Europe, enfin nous sommes en Europe, c'est une région du monde extrêmement petite, avec des distances extraordinairement courtes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Amérique latine ou en Amérique du Sud, vous ne pouvez même pas vous représenter à quel point les distances européennes sont courtes. Quand on quitte nos pays en 1h30 de train, on a des trains assez rapides, on prend pratiquement jamais l'avion. Ou quand on prend l'avion, c'est vraiment pour raccourcir de façon stupide les distances. On va de Paris à Madrid en 1h30, de Paris à Berlin en 2h, même en 1h30 aussi. Enfin, c'est très petit. Mais il y a énormément d'offres culturelles, énormément de musées, énormément de salles de concert, etc. Donc, toute notre médiation culturelle, on la pense quand même en ces termes de faire venir des gens qui sont physiquement extrêmement peu éloignés, mais éventuellement socialement assez éloignés. Ça fait une trentaine d'années ou une quarantaine d'années que c'est un problème pour nous et que l'on cherche à les faire venir. Je pense que, d'une certaine façon, dans votre continent, les choses sont
assez différentes parce que les distances sont immenses et la répartition de ces biens culturels est évidemment beaucoup plus extensive. Donc la question de la culture, du coup, se repose comme des proximités à continuer de construire, si vous voulez. Il ne s'agit pas, vous voyez, ça n'a rigoureusement aucun sens de se demander si les habitants de Bari-le-Chef vont aller en masse au musée de Buenos Aires. Il y a 6 heures d'avion et ça coûte un fric fou. Donc et en plus, ça pollue. Donc la question est plutôt de créer des médiateurs culturels, de continuer à créer des médiateurs culturels avec lesquels il peut y avoir des échanges, des petits groupes, des discussions autour d'objets culturels qui se trouvent localement là. Et ça, il y en a beaucoup. Donc, il faut ouvrir des petits musées sur les lieux, il faut ouvrir des petites salles de concert, etc. Et il faut, vous voyez, je pense qu'il faut trouver des répartitions qui évitent ces... Parce que... Je répète, c'est cette affaire de... Globalement, pour le dire autrement, je pense que un certain nombre de questions que nous nous posons en Europe occidentale ne se posent pas du tout dans les mêmes termes dans vos régions. À cause, entre autres, du fait géographique, qui est complètement différent. Si vous parlez, j'entends pas. Sí, ahora. Muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando. Realmente muy interesante las dos intervenciones. Les agradecemos muchísimo. Nos ayudan muchísimo a seguir pensándonos. Nosotros, les cuento, hubo participantes de Colombia, de México, de Brasil, de Uruguay, de distintas provincias argentinas, de España, de Francia. Realmente la participación es muy interesante. Cada uno de los asistentes está en los dos canales de chat compartiendo sus recorridos, sus experiencias, que también son súper valiosas. Tenemos realmente una participación enorme que nos encantaría poder compartir, pero bueno, son las limitaciones que nos da esta posibilidad. Por un lado nos posibilita encontrarnos y por otro lado nos imposibilita poder desarrollar en profundidad experiencia de muchos hermanos y hermanas que están hoy trayendo también sus situaciones, compartiendo y consultando también entre todas y entre todos propuestas para abordar esta situación tan compleja. Una pregunta que quiero, así que primero, antes que nada, disculparme con quienes no se ven reflejados en la pregunta, realmente estoy tratando de sistematizar tantos comentarios, pero bueno, estoy tratando de hacer también acá de mediadora en esta situación de intercambio entre tantas voces. Hay un interés por seguir trabajando y pensando de forma conjunta, más allá de las distancias geográficas. Entonces, la pregunta que aparece de distintas maneras es por dónde seguir construyendo un camino común, si pueden recomendarnos, por ejemplo, alguna experiencia interesante que consideren que sea valiosa para que podamos seguir indagando, algún tipo de bibliografía, alguna red de mediadores culturales que estén pensando la situación de la pandemia o las situación de emergencia, o bueno, algún camino por el cual consideren que sea posible seguir haciéndonos estas preguntas y encontrando de forma colectiva caminos transitables. Así que bueno, esa sería la última pregunta, y nuevamente les vuelvo a agradecer, vuelvo a informar que esta clase va a estar disponible a través del canal de YouTube, después podremos hacer las traducciones correspondientes para que se pueda acceder correctamente y también van a estar abiertos los canales de comunicación. Pero bueno, les dejo esa pregunta a los profesores y vuelvo a agradecerles. Moi, je voudrais vous remercier aussi et remercier la traductrice qui fait un travail formidable. Tu veux encore parler?
Nassim ? Oui, je voulais remercier la traductrice. Oui. Non, c'est tout. Alors, est-ce qu'on a encore le temps ? Est-ce qu'on a encore le temps de répondre ? Sí, en realidad sí podría ser una respuesta breve para cerrar con esa respuesta. Je comprends. À mon sens, alors je vais répondre et ça n'est pas de la flagornerie. Ce que j'ai observé au niveau des musées est tout à fait intéressant. Et là, je vais vous livrer une étude, enfin les premiers résultats d'une étude qui n'a pas encore été publiée, qui va être publiée dans les prochaines semaines normalement. On a fait une enquête sur à partir des définitions du musée pour chercher justement quelles étaient les nouvelles dimensions. Mais ça peut s'observer à travers toute la définition, on pourrait dire, de la culture. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train d'émerger. Il y avait beaucoup de définitions très classiques de la culture, enfin du musée en Europe. On retrouvait finalement des choses aussi assez classiques en Amérique du Nord et surtout aussi en Asie. La même chose pour les pays arabes ou africains par rapport aux musées qui sont relativement peu développés. En revanche, ce qui est apparu comme étant très novateur est lié en fait à un contexte qui voit le musée, mais je pense qu'on peut voir la même chose au niveau de tous les lieux de culture, dans une dimension beaucoup plus sociale, beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus centrée effectivement sur les valeurs, et c'est à travers toute l'Amérique latine que les choses se passent. C'est un des points qui est vraiment intéressant à voir, et donc j'aurais tendance à dire... Les réponses, elles se trouvent sur le continent d'Amérique latine, hein, au Brésil, bien sûr, en Argentine, au Pérou, en Uruguay, au Costa Rica, etc. Bueno. Si puedo tomar un poquito la palabra para cerrar, veo que François nos devuelve la pelota y nosotros desde la diplomatura, desde la universidad, desde las redes culturales que son muy vastas, muy grandes, muy importantes en nuestra región, en nuestro país, claramente estamos, creo que es una pregunta que permanentemente nos estamos haciendo. Y la verdad es que creo que este momento no nos da la chance para no hacernos cargo. Es un desafío muy importante y creo que lo tenemos que pensar desde aquí y de manera compartida entre los continentes, porque tenemos colegas como ustedes que tienden los puentes. Yo lo que quiero hacer para cerrar es realmente un agradecimiento muy importante a Nassim y a François de haberse dispuesto a esta charla, habernos traído realmente más preguntas y algunas respuestas también. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo que nuestra diplomatura va a comenzar en julio, que aún están abiertas las inscripciones, y justamente, como dije al principio y a la apertura de esta clase, nuestro objetivo tiene que ver con pensar la formación en mediación cultural en y desde América Latina, en diálogo con las experiencias de Francia y de otros países, pero también pensarlo desde aquí. Y bueno, es parte del desafío que tenemos. Es una formación que, como dije cuando arrancamos nuestra diplomatura en manera presencial, no es una bajada de línea con una definición y un concepto de lo que es la mediación cultural, sino que también buscamos construirla a través de las experiencias de nuestros estudiantes. Así que gracias a todos, a todas. Nuevamente disculpas por las dificultades técnicas.
sobre todo a aquellos que nos están escuchando y siguiendo aún a pesar de no tener la traducción en Facebook y en YouTube. Les decimos que vamos a subir el video con las traducciones muy pronto nomás. Y bueno, saludarlos desde esta tarde que ya está entrando aquí y darles las buenas noches en Francia. Merci. Merci beaucoup. Y gracias a Laura, la traducción excelente. Oui, vraiment, merci. Muchas gracias por el esfuerzo. Salimos. Au revoir.